you ever felt. Are you listening? Damn. Coucou les filles, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la marque Sephora. Et oui, c'est un tuto et je vous ai proposé aujourd'hui ces deux petites choses. Donc la première, c'est la palette de contouring pour les yeux. Oui, vous avez bien entendu, du contouring pour les yeux qui donne ceci au niveau des teintes. Elles sont magnifiques, c'est celle que je porte depuis une semaine maintenant, quasi tous les jours. Donc c'est vrai que c'est difficile de vous faire un tuto parce que quand tu te maquilles 5 jours de suite avec la même palette, voilà, à un moment donné, elle va finir dans mes chouchous. C'est la Color 5 Eye Contouring, contouring des yeux. Il y a un mode d'emploi, mais je ne l'ai pas forcément respecté. Et c'est la numéro 15, et elle est vraiment sublime. Il y a des mattes, donc 1, 2, 3 mattes, et 2 plus irisés ici. Donc, c'est une palette que j'aime vraiment beaucoup, notamment le petit pinceau ici, puisque l'embout mousse ici est dans. Du coup, ça prélève très bien le fard et ça le dépose de manière très intense et pas du tout de manière diffuse. Et de l'autre côté, on a un petit pinceau biseauté et en fait, il est plat à l'extrémité, c'est-à-dire que il a juste la bonne taille pour un trait d'eyeliner. Voilà, tout simplement. Donc, je le mets à plat sur mon fard et je viens l'appliquer en tapotant. Ou là aujourd'hui j'ai utilisé une eau micellaire, oui mesdames, une eau micellaire pour faire mon trait d'eyeliner. Donc ça c'est la Garnier tout en un, hein, elle ne faut pas que démaquiller. Tu humidifies ton pinceau, tu viens prélever la matière et en fait ça l'étire en intensifiant en fait le fard. Ça le rend peut-être un peu cakey, je vais attendre de voir si ça sèche, mais honnêtement ça n'a pas du tout abîmé. Je pense pas que ce soit fait pour être wet and dry, on est bien d'accord, mais honnêtement le résultat est vraiment très très joli. Et pour le rouge à lèvres, là j'ai opté pour un velouté sans transfert, donc c'est la teinte 3, Strawberry Kissed, et cela, peu importe la manière dont j'essaye de l'appliquer, non, il n'est pas sans transfert, quoi. Donc, bien entendu, cette vidéo est en partenariat avec Sephora pour tester leurs produits. Et comme vous le savez, étant donné que je suis franche, je vais vous le montrer. C'est pas sans transfert, quoi. C'est-à-dire que quand je rentre du boulot, mais je travaille que 10 heures par semaine, on est bien d'accord, hein, boulot, boulot, voilà. Quand je rentre du boulot, Hugo vient de se lever, je lui fais un bisou, il y en a sur la joue, grosse babine, tu sais. Donc non, c'est mieux, donc c'est un rouge à lèvres mat, velouté oui, agréable oui, confortable oui, cependant sans transfert, il y a encore un peu de boulot. Hein. J'ai essayé en fine couche, très très fine, comment dire, en base, puis un peu plus d'intensité au niveau couleur, ça transfère. J'ai essayé le gros paquet tout de suite, ça transfère. En gros, je ne connais pas la solution. Il faut m'expliquer. Hein. Bon, peu importe, c'est pas grave, le produit reste très bien, il tient très bien, il laisse une très très bonne sensation, en fait, confort sur les lèvres, et effectivement, il est velouté, parce que voilà. Mais sans transfert, pas tout à fait, quoi. Donc bon, il y a la formulation à revoir, je pense, au niveau transfert. Mais après, c'est pas quelque chose qui est dérangeant pour le produit en lui-même. Ça va pas dégouliner dans tous les sens. Mais c'est vrai que quand tu manges une pomme, que tu croques, pardon pour le bruit, que tu croques comme ça, je me suis retrouvée avec du rouge à lèvres ici, quoi, la dernière fois. Donc bon, non, pas sans transfert et faire attention à ce que vous faites. Si vous prévoyez de manger vraiment dans un, enfin, de croquer, vous risquez d'en avoir ici sur le menton une trace et c'est disgracieux. Donc je préfère vous prévenir. J'espère que cette vidéo en aidera certaines avec leur make-up. Et puis pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours, ciao.
Are you listening?